Bonjour à toutes et à tous, je suis Tim de Space News. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 31 mars 2024. Il est 17h et j'ouvre la 13e visioconférence de la série Les Galactiques 2024. Le thème du jour est Nazca au Pérou, sur la côte ouest de l'Amérique du Sud. Les lignes et les géoglyphes sculptés dans le sol ou la roche. Je rappelle pour toutes celles et ceux qui ne le savent pas encore que toutes les informations que je communique dans les Galactiques 2024 sont strictement et uniquement extraterrestres, communiquées noir sur blanc et en audio, notamment avec mon contact Zen, conversation que j'ai enregistrée depuis le début de l'année 2016, donc 8 ans. De par le monde, de nombreuses figures gigantesques défiant les capacités humaines ont été créées dans de nombreux pays. Les agrogrammes, des cercles de culture, ont commencé à apparaître à la fin des années 1960 en Australie, au Canada et en Angleterre. Mais il existe aussi des sculptures beaucoup plus anciennes. En Angleterre, le cheval blanc d'Huffington, au Brésil, ceux de la forêt amazonienne, au Chili, le géant d'Atacama, au Pérou, le chandelier de Paracas, en Russie, ceux de Sverdlovsk. On les appelle des géoglyphes parce que ces figures sont sculptées ou gravées à même le sol ou la roche. La première mention écrite connue des géoglyphes de Nazca fut faite en 1553, il y a donc presque 5 siècles, par le conquistador espagnol et chroniqueur du Pérou, Pedro Zieza de León. Mais ce dernier les prend pour des traces de pistes. Pourquoi? Tout simplement parce que ces figures gigantesques ne peuvent être vues et comprises entièrement que depuis l'espace et d'un point de vue aérien. Certains géoglyphes datent de plus de 3000 ans. Mais n'est-ce pas étrange que ces figures gigantesques ne puissent être vues dans leur ensemble que depuis un point de vue aérien? Alors que ce n'est que 2500 ans plus tard que l'aviation va se développer grâce aux premières conceptions de Léonard de Vinci au XVe siècle ou encore les inventions des frères Montgolfier au XVIIIe et les ornithoptères, les hommes-oiseaux du XIXe siècle. On peut donc logiquement se demander quel était l'intérêt il y a 3000 ans pour des humains archaïques de créer ces figures gigantesques. Mais était-ce bien eux qui les avaient créées avec les outils dont ils disposaient à l'époque? Et si ce n'est pas eux, qui les a créées et pourquoi? Revenons d'abord à ce à quoi ressemblait la surface de la Terre il y a 40 000 ans. À l'époque prédiluvienne, avant que l'eau de Tiamat ne tombe sur Terre. À cette époque, la Terre n'avait ni mer ni grand océan. On pouvait traverser la surface d'un côté à l'autre en marchant. Sa surface était très luxuriante, couverte de forêts et de plaines immenses. Il y avait d'innombrables rivières et des lacs sur une surface qui se trouve aujourd'hui au fond des océans. Dans les vallées basses, il y avait de petites mers internes, semblable à la mer Caspienne. Certains lacs étaient connectés entre eux, d'autres non, et il y avait de l'eau douce et de l'eau salée. L'écosystème terrestre fonctionnait différemment. L'oxygène était principalement produit par les forêts, les marécages et les prairies verdoyantes qui couvraient plus de 80% de la surface terrestre. Alors qu'aujourd'hui, la majeure partie de l'oxygène provient des mers. Là où se trouvent les océans actuels, il y avait 5 continents qui s'appelaient Oceania, Appalachia, Tyriana, Fennoscandia
et Beringia. Le continent océanien s'étendait sur la quasi-totalité de ce qui est aujourd'hui l'océan Pacifique, des parties de l'océan Indien, y compris l'Australie. Ce n'étaient pas des océans, mais des terres. Le pôle Nord se trouvait dans le Pacifique et le pôle Sud, là où se trouve aujourd'hui le Canada. C'était inversé. La planète est méconnaissable parce que les pôles se sont inversés pendant la grande catastrophe de Mars et de Tiamat. Ce qui est aujourd'hui le pôle Sud n'était pas couvert de glace à l'époque, ni le Groenland, qui avait une grande mer centrale, d'où son nom, Greenland, la terre verte. L'Arctique avait un climat tropical similaire à celui de l'Australie, couvert d'arbres et grouillant de vie. La Terre, comme le reste des planètes, n'a pas de noyau compact, mais elle est pleine de grandes cavités ou de voûtes, semblables à un morceau de gruyère. Certaines voûtes et grottes, comme celle de Song Dong au Vietnam, sont aussi vastes qu'un pays en surface, et elles sont alimentées par leur lumière naturelle provenant de sources photoluminescentes et volcaniques. Ils sont même appelés continents intérieurs en raison de leur taille. À cette époque, ces cavités étaient habitées par différentes espèces. Les plus avancées étaient les Vulcains, aussi appelés plus tard les Télosiens ou les Agartiens, une race intraterrestre très ancienne et similaire en apparence à la race lyrienne et aux humains terriens. Mais ces grottes naturelles étaient aussi occupées par différentes races reptiliennes plus petites, qui ne faisaient pas plus d'un mètre de haut et qui étaient organisées en sociétés primitives. Peu de temps après l'arrivée des premiers lyriens sur Terre qui fuyaient la colonisation de leur système stellaire Vega, un premier groupe de reptiliens appelé les Usungal, qui les poursuivait, est également arrivé sur Terre. Les reptiliens se sont installés sur le continent des Appalaches, y créant leur première base ou colonie sur Terre. Ils s'étaient aussi installés sur d'autres planètes de notre système solaire, y compris sur certaines îles de la planète Tiamat et sur Mars, malgré le fait que, dans cette dernière, il y avait déjà une colonie de mantes séparatistes du conseil d'Ojalou. Les Usungal ont essayé de coloniser les lunes de Jupiter. Ils y ont trouvé les Charistus et n'ont pas eu d'autre choix que de se retirer. Depuis leur arrivée sur Terre, les reptiliens ont continué de traquer les équipages lyriens à tel point qu'il fut un temps où l'espèce lyrienne ne comptait plus que 8 femmes. Au cours de cette période, certains lyriens avaient pu échapper à l'oppression des reptiles et s'étaient enfuis sur le continent océanien. Peu de temps après, certaines races lyriennes du groupe des Pléiades y sont également arrivées avec l'objectif principal d'aider les humanités de cette époque. La colonie d'Océana se répandait, formant toute une civilisation qui s'est appelée la Lémurie, dont la capitale était Mu. Une civilisation composée de séparatistes lyriens de l'Atlantide et ayant l'intention de devenir une résistance pour faire face à la tyrannie des reptiles et des adamites, des esclaves libres. Leur société était matriarcale, holistique et holographique. Elles étaient menées par des femmes. Elle fut influencée par les lignées pléiadiennes, elles-mêmes matriarcales, qui arrivèrent également comme les Solaciens du système Pléion, les Tégétans du système Tégète et les Angans du système Electra. De nombreuses années plus tard, il y a environ 20 000 ans, une deuxième vague de reptiliens est arrivée. Parmi eux, il y avait les Alpha-Draconiens, les Dragons et les Draconiens, les crocodiles bipèdes. Les reptiliens, la lignée reptilienne, continuaient à former des colonies sur Terre en s'étendant de plus en plus jusqu'à former une civilisation planétaire
que vous connaissez sous le nom de l'Atlantide. Leur capitale se nommait Atlantis. Elle avait de grandes villes dans de nombreuses régions du globe, ainsi que des ports spatiaux et de vastes mines où les Lyriens, transformés en race adamite, étaient utilisés comme esclaves, forcés de devenir mineurs de minéraux et d'or. Bien que les différentes races sauroïdes aient été aux commandes dans les colonies, il y avait d'autres petites colonies qui se formaient et qui avaient reçu du gouvernement de l'Atlantide la permission de s'y installer, car ils voulaient faire de l'Atlantide une civilisation multirace et multiculturelle. L'Atlantide et la Lémurie sont devenus de nos jours l'Occident et l'Orient en lutte perpétuelle. Il y a environ 15 000 ans, l'Atlantide battait son plein, s'épanouissant partout sur la planète et devenant une civilisation d'une grande influence planétaire. Elle avait plusieurs aéroports ou cosmoports spatiaux, dont les principaux étaient en Égypte et ce que l'on appelle les géoglyphes de Nazca au Pérou. Les figures que vous voyez dans l'image derrière moi ne sont pas des animaux, ce sont des constellations célestes, ce sont des cartes stellaires qui doivent être vues depuis le ciel. Un numéro 1 avec le singe, un numéro 2 avec le colibri et un numéro 3 là-haut avec un genre d'oiseau. Elles ont été sculptées sur le sol grâce à la technologie des rayons tracteurs depuis un vaisseau spatial. C'est la même technique utilisée pour les aérogrammes, les cercles de culture qui apparaissent dans les champs de blé. À Lhasa, au total, il y a plus de 350 figures qui franchissent les ravins sur 50 kilomètres, escaladent les collines sans que leur forme ni la rectitude apparente des lignes en soient affectées, comme vous le voyez dans l'image derrière moi. La plupart des figures sont constituées d'une seule ligne qui ne se recoupe jamais. Il faut de la précision pour les sculpter. Il faut la connaissance de mathématiques, géographiques, la connaissance des étoiles, du cosmos. Il faut des machines pour le faire, pour les faire, et des outils adéquats. Tout comme les pyramides, ces figures sont conçues pour être vues depuis l'espace. Elles sont gigantesques pour être repérées par des vaisseaux spatiaux. Elles n'ont pas été construites par des Homo sapiens qui n'avaient absolument pas ni les connaissances, ni les machines, ni les outils pour les faire. Voyons quelques exemples dans l'image que vous voyez derrière moi. Le numéro 1, le singe. La queue en spirale représente un tore, c'est-à-dire un portail stellaire. Il y a en tout 15 appâts 10, 5 doigts à la main gauche, 4 à la droite et 6 orteils qui représentent 15 pistes d'atterrissage ou de stationnement. Le numéro 2, le colibri n'en est pas un. C'est une colombe qui représente la constellation Columba, le bec allongé. Comme une longue piste d'atterrissage indique la manière dont il faut présenter l'appareil. Il y a 16 appendices, donc 16 pistes aires de stationnement. L'oiseau tout en haut représente un aigle et la constellation Aquila, située sur l'équateur céleste. Son soleil le plus brillant est Altair. Il y a 9 pistes d'atterrissage et de stationnement. Chaque figure a des caractéristiques différentes parce qu'elles font référence à différentes constellations. Les figures font partie d'un code très ancien qui vise à faciliter la communication d'informations aériennes et spatiales entre les différentes lignées extraterrestres présentes sur Terre à cette époque. Chaque lignée a construit son propre cosmoport pour pouvoir atterrir sur Terre en toute sécurité, et ils l'ont fait à la manière de leur constellation. Les longues lignes droites sont des routes de trafic de vaisseaux spatiaux qui naviguent entre les différentes constellations,
dans l'espace et des itinéraires vus depuis l'espace. Le code transmis est mathématique, mais sur une base 12, ce qui complique la compréhension pour les terriens qui sont en base 10. Les longues lignes droites qui se croisent entre les figures s'entrecroisent selon des angles spécifiques qui transmettent des informations d'approche telles que latitude et la distance avec d'autres bases extraterrestres proches ou plus éloignées, comme la base stellaire de Gizeh. Géométriquement, Nazca pointe vers Gizeh. Les lignes épaisses sont des aires de stationnement qui indiquent aux vaisseaux où ils doivent se garer en fonction de leur taille, de leur masse, de leur volume ou de leur utilisation. Les vaisseaux cargo, par exemple, sont orientés vers une zone spécifique, les vaisseaux de travail ou d'études sur une autre, les vaisseaux scientifiques sur une autre encore, les vaisseaux civils d'un côté et les vaisseaux militaires de l'autre. Les détails concernant le parking exact où chaque vaisseau doit se garer ou arriver en approche sont indiqués par ordinateur à partir d'une base souterraine. Il n'y a pas de tour de contrôle car les contrôleurs étaient souterrains et tout est géré grâce à des hologrammes ultra détaillés. Les salles de contrôle comportaient des ordinateurs placés en demi-cercle autour d'un énorme hologramme central. La taille de l'hologramme varie selon les besoins et en fonction de la base, c'est-à-dire de la région, du cosmoport ou de la planète Terre entière, ou un hologramme de leur propre planète. Ensuite, chaque vaisseau spatial apparaît en approche, à l'atterrissage, avec de petits caractères, donc sur l'hologramme, indiquant ce qu'il est, où il est, ses données de vitesse, de vecteur, de hauteur, de taux d'ascension et d'autres données. Ils sont dirigés à partir de ces hologrammes en leur indiquant quel changement ils devaient faire et l'endroit exact où ils devaient atterrir. Exactement comme de nos jours, la tour de contrôle d'un aéroport va communiquer à un avion en atterrissage les coordonnées exactes, la piste et les indications pour que les atterrissages se fassent en douceur. En résumé, les lignes de Nazca sont des informations, des guides de manœuvre, des positions, des coordonnées, des vecteurs de mouvement et des aires de stationnement pour les grands et les petits vaisseaux spatiaux. Donc, en un seul mot, ce sont des cosmoports extraterrestres construits par des lignées extraterrestres qui ont reproduit leur constellation et leur manière d'atterrir sur Terre. Question de Guylaine. La Terre avait un noyau, une grande cavité avec des voûtes où se trouvaient des races intraterrestres. Je voulais savoir si ces espaces sont toujours habités et qu'en est-il du noyau magmatique de la Terre? D'après ce que m'a décrit Zen, la Terre n'a pas de noyau, mais elle est remplie de grottes vraiment énormes qui se trouvent sous la croûte terrestre. Et dans ces grottes, il y avait donc énormément de sociétés extraterrestres primitives. Les Adamites, par exemple, vivaient sous terre. Et ces grottes, une grande partie sont encore occupées ou ont été transformées en bases militaires souterraines, ce qu'on appelle des domes. Elles ont été aménagées, modernisées et elles sont occupées. Question de Maria. Est-ce que les Télosiens et les Agartiens habitent toujours sous terre? Les Vulcans et les Télosiens, ce sont les noms anciens des Agartiens. Et les Agartiens, comme je l'ai déjà raconté dans une présentation dans les ultrasensibles, et une grande partie a été exterminée dans une guerre entre les reptiliens et les Agartiens. Il n'en restait qu'une poignée. Il y en a
qui ont décidé d'être relocalisés hors planète, et il y en a une petite poignée qui est restée pour relancer leur civilisation. Mais oui, il y en a toujours. Question de Michael. Les Lyriens sont arrivés presque à un moment où ils étaient au bord de l'extinction sur Terre. Vous nous avez dit qu'il restait pratiquement à peu près 8 femmes. Ils ont reçu de l'aide. Et je me demandais qu'est-ce que vous sauriez, ce qui a motivé le fait de rester sur la Terre, en sachant que de l'autre côté de la planète, il y avait également les reptiliens qui faisaient de même. Pourquoi ils ne se sont pas enfuis, en fait, lorsque l'aide est arrivée? Ils avaient déjà été colonisés, attaqués, et donc ils se sont enfuis et se sont dispersés en petits groupes pour s'installer dans d'autres systèmes stellaires, par exemple dans les Pléiades, dans la constellation du Triangle, dans la constellation Sol 13, ici dans notre constellation, et donc ils se sont installés sur Terre. Une partie des Lyriens travaillait avec la civilisation de l'Atlantide. C'est pas forcément parce qu'ils ont été attaqués par les reptiliens, c'est parce qu'il y a eu des tas de catastrophes qui a fait que une partie de la civilisation à cette époque a été détruite. Et il est vrai aussi qu'avec la seconde vague de reptiliens qui est arrivée, ils ont dû se battre et défendre leur territoire et leur propre lignée. Donc on peut supposer qu'il restait huit personnes. Il s'avère que c'était 8 femmes qui ont réussi à se cacher, à se défendre pour survivre. Et à partir de là, ces femmes ont relancé une civilisation qui est notre propre civilisation. Nous sommes les descendants de ces Lyriens. Pourquoi est-ce qu'ils sont restés? Peut-être n'avaient-ils pas de moyens de reprendre l'espace ou de retourner sur une planète qu'ils n'avaient plus de toute façon. La Terre était leur nouvelle planète, leur nouveau lieu d'habitation. Peut-être qu'ils ont tout simplement décidé de continuer à y vivre et petit à petit, ils ont relancé une civilisation qui est la nôtre. Je ne sais pas si c'était une décision consciente de rester sur Terre. Peut-être n'avaient-ils pas le choix et donc ils ont continué de vivre comme il le faisait jusqu'à présent, avec les moyens du bord, pour ainsi dire. Question de Karine. Ma question, c'est le géoglyphe du singe. La spirale est un tore que tu as dit, Tim, tantôt. Est-ce que c'est vraiment l'énergie d'un tore qui est située à cet endroit-là? C'est un tore. Il y a plusieurs spirales dans cette région qui étaient des tores électromagnétiques. Ce sont des portails. Est-ce qu'ils fonctionnent encore maintenant? Je ne le pense pas. Question de Maria. Oui, c'est suite à la question de Michael. S'il restait que 9 femmes, je parle en tant que terrienne, comment ont-elles pu procréer? Ou est-ce que cette race pouvait s'auto-procréer? Alors effectivement, c'est une question que l'on peut se poser, comment des femmes sans hommes ont-elles pu se reproduire pour donner naissance des milliers d'années plus tard à notre civilisation actuelle d'Homo sapiens sapiens. C'est une bonne question à laquelle je ne peux pas répondre. Peut-être avait-elle, comme beaucoup de femmes extraterrestres, une capacité de parthénogenèse, c'est-à-dire elles ont encore actuellement, certaines femmes, la capacité de se reproduire elles-mêmes par parthénogenèse, c'est-à-dire de se reproduire à partir d'elles-mêmes. Peut-être que les lignées se sont adaptées les unes aux autres et à un moment donné ont pu donner naissance à des rejetons qui n'étaient pas stériles, parce qu'en général, la procréation entre différentes lignées est stérile. Question de Maria. Quand on communique télépathiquement, est-ce qu'on peut avoir un contact avec justement des Telosiens ou ceux qui vivaient à cette époque? Bon, c'est carrément hors sujet.
Maria, parce que ça fait aussi partie de la présentation des différentes lignées. Et vous savez très bien que lorsque je vais commencer à parler de la Fédération galactique des mondes ou la Fédération unie des planètes, comme on l'appelle aussi, au mois de juillet, et tous les sièges au sein de cette fédération qui sont occupés par des lignées extraterrestres, les Agartiens en font partie. Il faudrait que vous lisiez toutes les thématiques des Galactiques 2024 pour savoir quand poser les questions aussi. Donc ça ne fait pas du tout partie de la thématique du jour. Question de Alain. Combien y aurait-il à peu près de cosmoports et sur quelle chronologie? Alors, il y a 350 figures gigantesques qu'on appelle géoglyphes dans cette région. Il y en a partout sur la planète. Donc, c'est un système qui est très étendu, qui s'est développé, on va dire, entre 40 000 ans jusqu'à 10 000 ans peut-être, ou 12 000 ans. C'est comme si l'an zéro était une séparation entre la vie extraterrestre et la vie terrestre. Comme si, lorsque cette histoire de Jésus-Christ et l'an zéro, le calendrier qui recommence à l'an zéro, c'était une nouvelle histoire terrienne où on ne parle plus des extraterrestres, c'est-à-dire des terriens qui habitaient ici à cette époque. Une civilisation planétaire qui s'est construite évidemment sur des milliers d'années, pas comme ça d'un seul coup. Et vous en aviez deux. Vous aviez d'un côté l'Occident avec l'Atlantis, l'Atlantide, et de l'autre côté la Lémurie, Ému, la capitale. Et il y avait des mélanges entre les deux. Sur une telle chronologie terrestre, évidemment qu'il y a eu énormément de choses qui ont été développées. Ne serait-ce que ces 350 cosmoports. Il y en avait déjà 350 dans la seule région de Nazca. Et il y en a plein partout, c'est comme les pyramides. Question de Guylaine. Ma question, c'était, est-ce que ces cosmoports, en tout cas sur Nazca, est-ce que c'est encore utilisé? Parce que c'est quand même, pour l'avoir survolé il y a quelques années, les géoglyphes sont vraiment bien présents, quoi, on les voit bien, ils sont très nets. Ils sont nets parce qu'ils ont été découpés en quelque sorte, rognés, sculptés dans la roche avec le rayon tracteur de vaisseau. Ce rayon tracteur, vous le connaissez très bien, ce sont les rayons bleus que vous voyez quand par exemple des personnes sont abductées. C'est un rayon tracteur qui les amène, qui les soulève jusqu'au vaisseau. Ce rayon tracteur peut faire des tas de choses, dont notamment créer des agrogrammes dans les champs de blé ou alors ici des géoglyphes dans la roche. Et ça va rester comme ça encore des siècles. C'est comme les pyramides. C'est extrêmement bien fait, au détail près, vous le voyez bien. Les roches des pyramides sont formées, créées et assemblées à tel point que vous n'arrivez même pas à faire passer une feuille à cigarette entre les deux. C'est une technologie qui n'a pas été encore redécouverte par les terriens, qui sont gardés dans cette croyance et cette compréhension qu'ils ne sont que ces petits terriens qui, enfin en quelque sorte, qui descendent de leurs cousins, les singes, et qui n'ont donc aucune capacité aérienne, spatiale, cosmique, galactique, voire télépathique. Donc tous les terriens sont maintenus dans ces croyances, pour que justement les populations terriennes se disent qu'elles seront toujours incapables de les découvrir, que c'est trop avancé, ou alors ne les découvriront que petit à petit. Toutes les bases souterraines qui contiennent ce genre de technologie, même quelquefois des technologies très avancées, ne vont pas faire passer ces connaissances aux terriens de surface, parce que sinon les terriens de surface s'en saisiraient et deviendraient interstellaires, seraient capables d'aller sur d'autres planètes, etc. Ils deviendraient complètement incontrôlables. Et c'est justement ce que les contrôleurs ne veulent pas. C'est eux qui ont ce pouvoir, ils ne veulent pas le passer aux terriens. Pas encore. Question de Maria. Est-ce que c'est encore utilisé aujourd'hui par les galactiques, toutes ces pistes d'atterrissage? Bien, c'est-à-dire qu'il y a différents usages. Agrigramme ou agrogramme pour les champs de blé et géoglyphes pour la roche ne sont plus utilisables par les terriens qui n'auraient pas de capacité interstellaire et de vaisseaux spatiaux.
Est-ce que les lignées extraterrestres les utilisent comme certains portails naturels qui existent en Turquie? La réponse est oui. Est-ce qu'ils utilisent ceux de Nazca? Je ne sais pas. Je ne pense pas qu'ils soient fonctionnels. Mais il y a encore des portails naturels qui existent dans différentes parties du monde, qui sont encore actifs et utilisés uniquement par des lignées extraterrestres. Il y a des guerres dans certains pays. Les guerres ne sont pas forcément... De toute façon, c'est comme un palimpseste. Une guerre, c'est un palimpseste aussi. C'est-à-dire qu'il y a différentes motivations, raisons, objectifs pour une guerre. Et on va dire que la couche la plus profonde, souvent, c'est que sur ces territoires, il y a des portails naturels qui sont encore actifs. Maintenant, d'un point de vue civil, quand vous allez par exemple à Nazca ou dans ces agrogrammes, ou alors que vous touchez les géoglyphes qui sont gravés dans la roche ou que vous allez dans une pyramide, si vous êtes suffisamment sensible au niveau télépathique, au niveau des sens internes et tous les sens d'ailleurs, eh bien vous allez ressentir ces énergies, bien entendu. C'est un peu comme l'histoire de Napoléon, qui lui est resté toute une nuit dans la pyramide en Égypte et qui en est ressorti complètement déstabilisé et ne souhaitant pas raconter ce qu'il avait vu expérimenter. Et qu'avait-il vu et expérimenté, si ce n'est qu'il était passé par une phase de mort imminente, et quand on le fait, on voit qu'on ne meurt pas et on atterrit dans un monde, entre guillemets, parallèle, qu'il a dû vivre, parce que les pyramides sont aussi des portails. Donc c'est ce qui se passe. Donc quand vous allez sur des agrogrammes ou bien des géoglyphes, ou bien certaines portes d'ailleurs aussi dans certains pays, vous allez traverser ces phases-là. Question de Ginette. J'ai été faire deux voyages par chance au Pérou. Et la première fois, quand on se promenait dans l'autobus, ils nous expliquaient que le chemin qui contourne toutes les montagnes pour se rendre doit être gratté parce que le vent fait des déplacements de sable pour libérer la route. Mais la question que je me posais, comment ça se fait justement, toutes les gravures des lignes de Nazca, eux, restent toujours visibles? Puis ils ne sont pas remplis par le vent ni par le sable. En fait, lorsque le rayon tracteur est utilisé, ça crée aussi un champ électromagnétique où les particules et les molécules ne vont pas s'accumuler, donc ça reste toujours propre. Seconde question. Au lac Titicaca, ils disaient qu'il y avait supposément des temples en dessous de l'eau. Des parties qui étaient basses par rapport aux montagnes ont été submergées et donc dans certaines régions, tout a été recouvert. Question de Nadine. Je suppose qu'il doit y avoir un complexe souterrain avec des technologies avancées. Et je voulais savoir aussi si ça existait, est-ce que ça a été retrouvé? Chaque lignée qui arrivait en Atlantide, qui demandait l'autorisation de s'y installer et qui était acceptée par le gouvernement de l'Atlantide, chaque lignée venait, construisait son cosmoport et par conséquent, il y avait une base souterraine dans laquelle il y avait une tour de contrôle pour diriger les vaisseaux avec plein d'ordinateurs et comme je l'ai dit, la projection de la Terre ou une projection holographique qui permettait de voir l'extérieur de la Terre sans avoir à sortir. Donc est-ce qu'il y a encore des bases souterraines qui existent? Oui, certaines ont été modernisées. Est-ce que dans cette partie de l'Amérique du Sud, il y en a? Oui. Est-ce qu'elles fonctionnent? Probablement aussi parce qu'il y en a. Sous toutes les grandes villes, il y a des bases souterraines hein, qui sont aussi étendues que les villes au-dessus en surface. Mais ne pensez pas qu'il soit utile que ces pyramides ou que ces bases souterraines soient rénovées, relancées, réinstallées au bout de tant de millénaires. Ça ne sert à rien puisque les technologies évoluent. Nous, terriens aussi, avançons dans ce domaine des technologies. Et il n'y a aucune raison que l'on relance des systèmes aussi anciens. C'est comme si, par exemple, de nos jours, vous pourriez avoir accès à un vaisseau spatial et que vous préférez utiliser une deux chevaux. Vous voyez là, un peu, la différence, ça n'est plus utile. Enfin, c'est bien pour la collectionner,
Et il y en a encore beaucoup qui utilisent des deux chevaux. D'ailleurs, j'en ai vu encore une hier. Mais ça n'est pas utile. Je veux dire, on avance en technologie, ça n'est pas utile que ça soit rénové. Question de Ginette. Le peuple Aymara qui vit maintenant dans ces régions-là au Pérou, ils sont des descendants des Mayas des Pléiades ou je ne sais pas, comme quand on avait parlé du Mexique, je ne sais pas si c'est les mêmes origines. Oui, c'est-à-dire une partie de ces populations. Donc, c'est tous les ancêtres en Amérique du Sud, mais d'ailleurs les nôtres aussi en Europe, sont des extraterrestres. Donc, une partie de ces cosmoporques appartenait à différentes lignées qui signent en y gravant leur constellation. D'ailleurs, dans les grottes de Lascaux, etc., il y a aussi des sculptures qui ont été laissées. Tout ça, ce sont extraterrestres. Lorsque l'on appelle une civilisation Maya, leur origine, c'est le système stellaire Maya, qui est l'un des 9 systèmes stellaires des Pléiades. Question de Martine. Sur la planète encore, sont construits très régulièrement des agrogrammes. Quelle est la réelle raison de leur construction par les extraterrestres? Les agrogrammes dans les champs de blé sont multiples. C'est quelquefois pour faire passer des messages aux terriens, leur expliquer différents concepts extraterrestres, mais le plus souvent, c'est pour signaler entre lignées extraterrestres que ce point, cette partie du territoire appartient à telle lignée extraterrestre. Question d'Alain. Si les chercheurs terriens commençaient à étudier les pyramides, il y aurait une accélération, un peu un éveil sur les, justement, l'existence des extraterrestres. Les égyptologues ont consacré des siècles depuis que ça a commencé à être découvert sur les pyramides et tout ce qui concerne l'Égypte, mais tout cela, c'est une histoire qui a été détournée. En l'an zéro, d'un seul coup, la Terre a eu une toute nouvelle histoire qui est l'histoire, c'est-à-dire que les peuples qui ont conquis ces parties de territoire ont recréé l'histoire pour faire passer la leur. C'est-à-dire toute cette histoire du passé extraterrestre, interstellaire, c'est même pas extraterrestre, c'est tout simplement des lyriens, c'est-à-dire des gens comme nous, qui étaient interstellaires, et d'autres lignées d'ailleurs, qui sont venues ici, qui se sont développées. C'est comme si à un moment donné, il y a eu une coupure entre cette histoire, la vraie, et l'histoire créée et inventée par les gagnants. Et on nous apprend l'histoire des gagnants. Voilà, il est 18h07. Je vais mettre fin à cette présentation et à cet échange. Je vous remercie d'être présent, fidèle et toujours prêt à poser des questions intéressantes. Et nous nous reverrons donc dimanche prochain à la même heure pour une nouvelle visioconférence. Merci beaucoup.